What you doing, Doc? Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale en dehors de ma chambre d'adolescent que vous avez l'habitude de voir. On se retrouve un petit peu dehors pour parler un petit peu et vous dire merci des 5000 abonnés. À la base j'avais planifié pour à peu près 1000 personnes sur un an. Et aujourd'hui on se retrouve au bout de 2 mois à Paris plus de 5000 personnes. Donc c'est assez exceptionnel, je m'y attendais pas du tout. Donc ça me motive pas mal d'avoir le nombre d'abonnés qui augmente tous les jours et surtout voir que les vidéos plaisent. Hein. Aujourd'hui on fait à peu près 10 000 vues en moyenne sur la chaîne, ce qui est assez exceptionnel et je m'attendais pas du tout à ça. Donc merci à vous de regarder ces vidéos. Ça me motive grandement à aller chercher d'autres sujets, améliorer la qualité de rédaction et surtout la qualité de montage aussi. Merci à vous de me suivre du coup aussi nombreux. Ça me fait plaisir aussi que vous soyez là parce que ça me permet aussi de varier un peu mes activités. Donc aujourd'hui je suis développeur web et j'enseigne aussi dans le métier. Ça fait un monde qui est très petit et dans lequel on tourne rapidement en rond. Donc pouvoir un peu me consacrer sur un peu d'audiovisuel et de transmission de savoir informatique, ça me plaît énormément. Ça me permet d'avoir une petite échappée sur autre chose, de la tech, du montage vidéo, comment améliorer ses vidéos, de la lumière, voilà. J'adore apprendre. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire et c'est pour ça que je faisais le métier de développeur. Et donc je prends mon pied en ce moment à faire des petites vidéos sur le sujet de l'informatique. Un canard. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Axis lock. Quel enfer. Profitons-en aussi pour parler de la direction de la chaîne, où est-ce qu'on va aller, les concepts qui sont là. Parce que oui, on avait prévu quelques concepts avant que le confinement arrive. Mais du coup maintenant ça tombe un peu à l'eau. Le premier concept que j'avais en tête c'était d'aller justement dans les magasins, dans les grandes surfaces, savoir si jamais vous avez besoin d'une souris ou d'un clavier en urgence, où est-ce que vous pouvez trouver des claviers réputés à un prix qui n'est pas trop exorbitant, sans dire d'acheter vraiment de n'importe quoi. Mais du coup ça vous doutez bien que ça va pas marcher. J'avais prévu aussi un autre concept de vidéo où on va dans les boutiques informatiques chez les indépendants pour voir en fait ce qu'ils nous proposent pour un certain budget et voir ce qu'on peut nous faire avec ce budget-là. Ce concept-là, c'était surtout vraiment pour voir si les indépendants sont vraiment plus chers qu'un PC que vous pouvez monter vous-même. Et si vous n'y connaissez rien, est-ce que ça vaut le coup de passer chez eux ou pas? Enfin bon, vous doutez du coup que c'est un petit peu tombé à l'eau. Oui. Donc en attendant, on continue les news, les vidéos de vulgarisation. On aura un petit peu des vidéos de build qui arrivent. Parce que ma copine a voulu refaire son PC avant le confinement et on a reçu tous les composants, donc la vidéo arrive très vite sur ça, sur le choix des composants et sur le montage du PC et ses performances. Par contre, ça restera des vidéos qui sont assez ponctuelles sur la chaîne parce qu'on n'a pas le budget aujourd'hui d'acheter un PC toutes les semaines pour le monter, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire un peu plus dans l'avenir. D'accord, merci. Je vais certainement aussi ajouter du contenu guide pour ceux qui sont un peu plus novices et un petit peu de review en fonction de ce qui m'est proposé et ce que moi j'achète personnellement. On fera certainement aussi d'autres vidéos comme ça où on fait le point sur la chaîne et on parle entre nous et ça me permettra aussi de vous présenter la magnifique ville qui est le Puy-en-Velay. Donc voilà, on a vu pour l'instant quelques parcs et je vous amènerai plus tard dans d'autres endroits. Le camping qui est tout vide, c'est triste. Avant de finir cette vidéo, petit point de transparence, j'ai été approché par plusieurs sites de clés CD Windows dont je ne souhaite pas travailler avec. Donc si vous êtes l'un de ces représentants de ces sites, ne me contactez pas, voilà, tout simplement. Ces sites comportent assez souvent des arnaques, ce n'est pas toujours éthique la façon dont les gens sont traités. Donc voilà, je ne préfère pas travailler avec eux, pas associer mon image avec eux. Et surtout, en fait, j'ai pas envie de vous prendre pour des pigeons. Donc très certainement pas de sponsor d'ici un petit bout de temps. Voilà, je préfère avoir des produits ou des services qui sont de qualité où je sais qu'il y a une réelle valeur derrière pour vous présenter plutôt que d'avoir des choses qui n'ont pas forcément grand intérêt pour vous. Donc si jamais vous voyez des sponsors de clés sur ma chaîne, n'hésitez pas à me lapider sur place. Et pour ceux qui seraient intéressés par le matériel que j'utilise pour filmer, c'est filmé avec un Sony Alpha 6400 avec le kit de base hein, et un stabilisateur optique Zhiyun Crane M2 que j'ai acheté pour la modique somme de 200€ sur Amazon. Avec l'argent que vous avez fait gagner avec YouTube. Donc merci à vous pour ce petit cadeau. Donc bien sûr, les liens Amazon affiliés seront dans la description pour ce genre de produit. Donc si jamais vous décidez d'acheter
à travers ces liens, je me ferai une petite commission là-dessus. Voilà, en toute transparence avec vous. Donc j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. On se retrouve d'ici quelques temps pour en faire un nouveau, avec un nouveau point sur la chaîne, etc. Peut-être pour les 10 000 abonnés, qui sait, on verra bien. Allez, salut !